Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Etherarium. Après une longue absence de quelques semaines, je me retrouve enfin en face de vous pour un second vlog en compagnie d'Eric de Au Cactus Vosgien. Après la première vidéo que je vous mettrai juste ici, les installations ont évidemment bien changé. Je laisserai Eric développer autour de tout ça. Et en plus, on a plein de fleurs qui nous attendent, je suis sûr que ça va être vraiment génial. Et bien sans plus tarder, on y va, allez! Bonjour Eric! Salut Tony. T'étais surpris de me voir. Je m'attendais pas à te voir si tôt. Hein? Bon, mais écoute, comment ça va? Bah, très bien. Le jardin est en pleine forme, les cactus vont très bien. On va avoir de superbes fleurs, alors quoi de mieux? Eh bah, c'est parfait. Super. Alors là, on se retrouve dans la serre. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans cette serre par rapport à la dernière fois? Alors, il y a eu des nouvelles plantations. Maintenant, dans cette serre qui est pas très grande, hein, elle fait 12 mètres carrés, il y a 80 à 90 plantes différentes. Alors, je rappelle que cette serre, elle est non chauffée l'hiver, hein, qu'on est dans les Vosges, donc il y a fait moins 11 déjà dans cette serre. Et toutes les plantes ont tenu. Et puis, bah, des nouvelles sont en cours d'expérimentation. On verra bien l'hiver prochain. Hein. Génial. Normalement, ça devrait être bon. La dernière fois qu'on était là, il y avait 50 plantes. C'est bien ça? Oui, 50-60 à peu près. D'accord, donc ça a bien augmenté depuis. Oui. On fait un petit tour du propriétaire, ouais, voir ce qu'il y a. On fait un petit tour. Alors on voit que les plantes sont en pleine croissance, hein. Il y a des nouvelles raquettes à profusion. On voit également des fleurs alors qui commencent à s'ouvrir, parce qu'on est en fin de matinée. Là. On voit beaucoup de nouvelles pousses. Alors il y a un an et demi, il n'y avait que 3 branches. Waouh, d'accord. Et ça a bien poussé. L'année dernière, je crois qu'il y en a eu 15 ou 18 nouvelles. Et puis bon, bah là, c'est parti pour faire autant. Hein, génial. Pour ne citer qu'un exemple. Alors, ce qui est beau à voir aussi, c'est les cierges qui prennent de la hauteur et de la largeur, hein, gigantesques. Waouh, ouais, celui-ci était bien moins épais la dernière fois. Enfin, oui, bien oui. Moins, j'exagère, mais quand même. Hein. Alors, c'est très très lent, hein, mais on voit sur des photos d'une année à l'autre qu'il y a. Voilà, ça gonfle, quoi. Mmh. Hein, ça gonfle et ça grandit. Beaucoup magnifique. De nouvelles pousses. Je pense que dans 3 ans, je suis envahi. Hein. Faudra faire mais, du ménage, c'est ça. Voilà, mais c'est le but. Et puis surtout, je veux que les plantes gagnent en hauteur. Alors là, on commence à. Ouais, là, génial. On va gagner 20-25 cm par an. Là, peut-être même un peu plus. Super. En revanche, pour d'autres, c'est 1 ou 2 cm par an seulement. Ah, ah oui, d'accord. Génial. Celui-là a déjà 25 ans. Hein. Ah, quand même. Ouais. Et au niveau des températures, on monte à peu près à combien ici? Alors, donc l'hiver, c'est pas chauffé, donc voilà, il fait entre moins 10, moins 15 et plus 15. Mmh. Et l'été, il fait entre 10 et 50. Ah ouais. Tous les jours où il y a du soleil, l'après-midi, il fait 50 degrés. Donc les plantes résistent très très bien, à condition d'être en pleine terre. Hein. En pot, ce serait plus compliqué, mais en pleine terre, il n'y a aucun souci. Et finalement, je reproduis à peu près le climat de l'Utah ici, hein, c'est-à-dire très chaud. L'été, intenable, hein, et puis l'hiver, froid et sec. Ah oui, ok, d'accord. Alors ici, c'est une rocaille destinée aux plantes de petite taille. Hein. Donc ici, il y a tout un coin pour les délospermas. Avec de très jolies fleurs. Voilà, alors, on est en fin de matinée, les fleurs s'ouvrent en général que vers midi, donc là, ça commence tout juste. Ah hein. Oui, d'accord. Et puis c'est la fin de la période de floraison, donc il y a moins de fleurs. Ils sont protégés grâce à ça de l'humidité l'hiver. Je mets une plexiglas. La plaque de plexiglas qu'on ouais, avait la dernière sinon, fois. C'est la rocaille de la chouette, celle-ci. Voilà, c'est ça. Et il y a des belles fleurs pour des cactus qui ne sont pas protégés, comme celui-ci. Voilà, Opuntia istricina. Wow. Voilà, magnifique fleur mauve. Superbe, oui. Superbe. Alors, les fleurs de ces Opuntia ne durent que 48 heures. Hein. 48 Donc il faut être là. Ah oui, d'accord. Donc là, on est vraiment pile au bon moment sur place. Génial. Je te montre une autre espèce en fleurs. Voilà, Opuntia polyacantha. Waouh. Magnifique. C'est top. Alors, on voit d'autres fleurs fanées. Hein. Il y a eu beaucoup de fleurs cette semaine. Ah oui. Elles sont un petit peu abîmées parce qu'il y a plus fort hier. Hein. Il y a eu un orage, mais bon, voilà. C'est magnifique, en tout cas. Et c'est marrant qu'une si grosse fleur pousse sur une si petite plante. Oui. Alors les floraisons d'Opuntia font toujours cette taille-là, quelle que soit la taille des raquettes. Hein. D'accord. Ah, c'est pas proportionnel à la taille de la plante. Non, c'est pas proportionnel. Génial.
C'est très très beau. Côté plus froid, donc j'ai mis des plantes alpines, hein, comme les sempervivum et des jovibarbes et des sedums ici. Donc tout ça résiste très bien au fort gel. Il a fait à peu près moins 13 ou moins 15 cet hiver, il n'y a pas de souci. Et tout est là. Tout est là. Génial. Alors je te montre aussi ce côté-là, la rocaille phaéton. Il y a les joubarbes, alors elles sont en fleurs en ce moment. Ah oui. Et on voit celles qui vont... De petites fleurs délicates. Voilà. Alors la rosette qui fleurit, elle meurt après. Ah oui. Ouais. D'accord. C'est toujours comme ça. Ah, mais bon, il y a de la réserve sur les côtés, donc il n'y a pas de souci. Elle va mourir, donc elle va se flétrir, elle va ouais, tomber. Elle va sécher. Non, juste sécher. Elle va sécher. D'accord. Moi, j'aime bien mélanger des plantes alpines et des plantes, on va dire américaines, comme ces cylindropincia là. Ça pousse très lentement, mais voilà, ça fait un mélange de cactus et de plantes alpines. Bien sûr. Et ça pousse très bien ici. Le but, c'est d'avoir un tapis complet, enfin persistant. Bien sûr. C'est magnifique. Ça crée de jolis contrastes. Ici, j'ai fait une petite plage avec... ça, c'est pas rustique. Hein, ce qu'on appelle des carpobrotus ou griffes de sorcière. D'accord. Mais ça pousse très bien dans le sable. Comme c'est ça, juste. Il n'y a pas de substrat... Ah, si, il y a du substrat au fond qu'on ne voit pas, mais bien après, sûr. Ça rampe sur le sable. On voit ça beaucoup sur le littoral atlantique. D'accord. Ah, sur les dunes. Voilà, sur les dunes. Ok, hein, oui, je vois, ça y est. Mais bon, c'est juste pour l'été... Parce que ça tient jusqu'à moins 6 à peu près, donc je les rentrerai avant. Et au milieu, on a trois couleurs différentes de fleurs. Sur la même plante ou trois plantes différentes? Non, ça c'est du pourpier, c'est juste annuel. D'accord. Mais j'aime bien parce que ça pousse vite et ça fait de la Ça de fait la quand couleur, même de jolies quoi. Fleurs, bah oui, carrément. Voilà, cette rocaille qui, où les plantes vraiment prennent de l'ampleur cette année. Mm-hmm. Ah, regarde, tout à l'heure, elles étaient fermées, les fleurs. Wow. Ça y est. Elles sont en train de s'ouvrir. C'est en train de s'ouvrir. Génial. Super. Ah, c'est pour ta venue, tu t'imagines, ça, c'est génial. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Waouh, super beau. Il n'y aurait pas fait beau, elle serait restée fermée, mais là, avec le soleil, ça y est, c'est parti. Ça va durer 48 heures. C'est parfait, 48 heures. Ah ouais. Donc après cette saison de floraison, que c'est en général entre la mi-mai et mi-juin, mais cette année, tout est un peu en retard. À 3 semaines de retard, donc c'est plutôt juin et ça sera début juillet. Une fois cette période de floraison terminée, il faut attendre l'année prochaine. Oui, c'est une fois par an, 48 heures. C'est ça. D'accord. Ah, mais bon, après, il y a plusieurs fleurs. Les floraisons vont s'échelonner sur une semaine à peu près. D'accord. Ouais. Magnifique. Et donc, par rapport à la dernière fois, notamment sur cette rocaille, on a des graviers bleus en plus, ce qui crée un joli contraste. Oui, il me reste le centre à meubler un petit peu. J'ai pas encore terminé parce que, en fait, je vais faire l'inauguration du jardin fin juillet ou début août. Ah oui, d'accord. Donc, tout n'est pas encore tout à fait prêt, même si j'ai déjà des visites, déjà des gens qui viennent les week-ends. Bien sûr. Mais bon, là, tout n'est pas encore terminé. Et l'avantage de ces plantes, c'est que souvent les gens, ils achètent des cactus dans le commerce et puis ils disent « Ah ben oui, mais mon cactus, c'est dommage, il fleurit pas, comment ça se fait ?» Bon, alors déjà parce que souvent, ils les mettent pas dans les bonnes conditions. Mais là, avec les cactus résistants au froid, on est sûr d'avoir des floraisons. Alors, pas forcément la première année, mais une fois qu'ils ont fleuri une fois, ils refleurissent tous les ans, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Génial, ça. Donc ça, c'est, ah, c'est bon à savoir. L'avantage de ces plantes-là, c'est que bah, une fois plantées dans de bonnes conditions, il n'y a absolument rien à faire. À part désherber et d'autres herbes qui viendront se mettre au milieu, mais bien sûr, il y a absolument rien à faire, ça pousse tout seul. L'hiver, ça se flétrit, hein, tu te rappelles au mois de janvier quand tout tu t'es fait. Venu. Et puis voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin, ça pousse pas très vite, mais voilà, les fleurs sont absolument magnifiques, quoi. Ouais, y a pas grand chose à faire en plus. Des cactus qui fleurissent vraiment facilement, c'est l'avantage. Bien sûr. Et les floraisons ici, elles s'étalent de quelle période à quelle période donc? Ah, pour les cactus rustiques, c'est mai à début juillet.
D'accord. Des fois, il y en a encore un petit peu après, mais c'est plus rare. Donc ça laisse quand même une belle période pour en profiter au fur et à mesure. Oui, ça. Je serais curieux de voir à quoi ça ressemblerait si tout arrivait le même jour. Ce qui est impossible, mais... Bah, statistiquement, c'est pas impossible, mais c'est rare, quoi. Oui, je vois. Voilà, quoi. Toutes les fleurs sont... Enfin, c'est la fin, quoi, finalement, ici. Oui, il y en a beaucoup moins. Tout ça, c'était des fleurs, hein, encore 10 jours, quoi. Waouh. Ce sont des fleurs qui s'ouvrent vers midi. Ouais, il est midi, là, 11h. Et puis qui se referment le soir, ou quand il pleut. D'accord. OK. Ah, des belles fleurs. Waouh. Oh là là. Belles fleurs jaunes. On va essayer de faire une belle mise au point. Ouais, super. Un tout petit qui fleurit aussi. Oh, splendide, j'adore la fleur. On appelle ça le cactus cornichon. Hein, cactus cornichon. De la mauvaise herbe. La fleur, elle dure une petite semaine. D'accord. Cela. Magnifique. Les couleurs sont très différentes en plus. Ah, c'est pour attirer l'attention, hein. C'est vraiment pour se faire remarquer. Ah ouais, c'est vrai? Bien sûr. D'accord. Il faut se faire remarquer des pollinisateurs. Hein. Bien sûr. En Russie, les abeilles, il n'y a pas de souci, hein, que les plantes soient américaines ou pas, elles pollinisent. Hein. Alors, ça c'est une nouvelle rocaille. C'est pour montrer qu'on peut mélanger des cactus et des plantes plus habituelles, quoi. Bien sûr. Hein? D'accord. Il y a de la valériane, il y a des Cnifophia derrière. Ça permet de faire un joli contraste, les plantes plus hautes, les plantes plus basses, d'aspects différents. Il y a des joubarbes en fleurs, tiens, toi qui aimes bien les fleurs là. Oui. Ah ouais. Oui, j'adore parce que c'est des fleurs que je trouve très délicates, petites. Alors dans cette rocaille là, j'ai mis des plantes qui ont besoin d'être protégées l'hiver de la pluie. D'accord. Hein? Donc ça permet d'avoir des plantes qui résisteraient pas chez nous au froid. Voilà, oui, la dernière fois, c'est vrai que c'était couvert. Tout oui, le long. Tu n'as pas vu parce qu'il y avait du polycarbonate dessus qui est voilà. Pas transparent, juste translucide, alors on ne voit pas bien. Dit que là, ça permet d'avoir des agaves qui sont. Avoir ça dans les Vosges, c'est exceptionnel. Elles sont là depuis 15-20 ans. Ah, c'est énorme en plus. Et il n'y a pas une tache parce que je les couvre des précipitations pendant toute la saison froide. Bien sûr. Je vais essayer de me mettre dans l'autre sens, j'aurai pas mon ombre sur la plante. Splendide. Et elle commence à faire des petits, j'en ai mis un petit qui était dans la serre que tu as vu tout à l'heure. Mm-hmm. Et donc je suis obligé de tailler les plantes à cette hauteur-là, tout ce qui dépasse. D'accord. Taille pour pouvoir remettre les protections. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que ça dépasse. Et ma fierté, c'est d'avoir des gros Trichocereus passacana. Comme ici, qui ici sont bien protégés de l'humidité assez tôt, poussent ici sans problème et ils ont déjà pris moins 23 degrés. Alors ici, c'est une nouvelle rocaille que j'ai faite cette année, ce que j'appelle la rocaille estivale. Alors au pied, il y a des sempervivum, donc ça c'est rustique. Et au-dessus, j'ai mis en revanche des plantes non rustiques qui seront enlevées en septembre, des plantes qui étaient un peu poussives ou dans des pots un peu étroits, je les ai mis en pleine terre pour les renforcer. Alors, il y en a certaines qui sont pas très belles, mais c'est pour les aider un peu. Leur donner un coup de boost finalement. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc là, par contre, après, il va falloir tout rempoter pour l'hiver. Oui, oh, c'est pas, il n'y en a pas pour longtemps. Faut compter à peu près combien de temps pour autant de plantes? Si les pots sont prêts avec de la terre dedans, ça va vite. Une matinée? Oui, je pense. Alors ici, c'est ma collection personnelle, hein, des plantes que je ne vends pas. Alors il y a un petit peu de tout hein, dans les cactus. Waouh, c'est très varié au niveau des aspects. Magnifique. En plus, il y a des fleurs. Les en forme de boule, hein, ce qu'on appelle les mammillaria, en forme de mamelle. En fait. D'accord. Les Echinocereus, ça fait vraiment des fleurs absolument magnifiques. C'est dommage, tu arrives un petit peu tôt, je pense que c'est pour demain ou après-demain. Oh, ah oui, d'accord, ça bah se joue pas une semaine près, c'est à un jour près.
Ah oui. Après, la fleur, elle dure plusieurs jours, mais c'est une fleur absolument magnifique. Ça, c'est ce qu'on appelle des télocactus, c'est des petits cactus mexicains, c'est joli. Ça fait de jolies fleurs là aussi. En fait. C'est un télocactus. Waouh! C'est vraiment joli. Ah, le but, c'est d'attirer l'attention. Hein. Vraiment, avec un rouge comme ça. C'est génial. C'est... Coucou, je suis là, ne m'oubliez pas. C'est marrant parce que pourtant, à la base, ces plantes qui développent des pics, enfin, le but, c'est quand même de dire ne venez pas me voir, venez pas me manger. En fait, le but, c'est ne venez pas me manger, mais pollinisez-moi. Pour que je puisse me reproduire finalement. Ah, oui. D'accord. Je voulais te montrer aussi une plante de collection, quelque chose de rare. Ce que les Américains appellent le pénis cactus. Pénis cactus, d'accord. Voilà. Ok, on a c'est compris. C'est un pénis épineux. Voilà, d'accord, avec des cure-dents dessus. Alors, ça pousse très lentement. C'est une plante qui a autour de 25-30 ans. Hein. D'accord. C'est à la fois gros et à la fois, on a envie de se dire 25-30 ans, on aurait envie que ce soit encore plus énorme. Donc, ça doit vraiment pousser lentement. Oui. Donc, chaque partie... pousse en combien de temps? Ça s'appelle comment une partie comme ça? Un pénis. D'accord. Bah, l'année dernière, elle m'a fait trois nouvelles. Okay. Trois nouvelles pousses. D'accord. En sachant qu'il y a plusieurs tiges, voilà. Entre guillemets. Au début, si on achète une pousse, elle va vous faire une nouvelle pousse par an ou tous les deux ans. Dans de bonnes conditions. C'est très, très lent. Et bah, c'est une très belle collection et avec de très beaux pots en plus, au passage. Vous voyez, je tiens à préciser que les pots, la majorité des pots qui arrivent viennent d'une poterie lorraine qui existait dans un village qui s'appelle Jean-Ménil. C'était une poterie dont le savoir-faire était reconnu dans l'Europe entière. Waouh, d'accord. Hélas, aujourd'hui, elle n'existe plus. Ah, c'est dommage, les pots sont vraiment super. On pouvait y trouver des pots vraiment faits main, comme ceux-là, qui sont très jolis et non pas des pots standardisés comme il y a en dessous. Quoi. Oui, hein? Beaucoup plus simple. J'ai voulu faire un verger original, un verger dans lequel il y a aussi des cactus. J'ai mis celui-ci qui est redoutable. J'ai enterré le pot pour qu'il ait un peu plus d'humidité cet été. Voilà, ça s'appelle un Broningia hertlingiana. Il est énorme. C'est absolument redoutable. Je ne te dis pas la complexité s'il faut le rempoter. Mais bien sûr. Hein? On va s'approcher. Il y a des techniques, hein, mais voilà. C'est pas simple quand même. Et donc celui-ci aussi, il a décidé de développer des cure-dents, quoi. Alors dans la série « Rien ne se perd, tout se transforme », j'avais ce très vieux mirabellier qui a souffert d'un coup de vent fatal. Le tronc étant très âgé, il y a plein de trous, j'ai mis des joues-barbes. Et donc là, ça date d'il y a combien de temps cette installation ? C'est tout récent, j'ai fait ça... Hier ? J'ai fait ça cette semaine. Ah oui, d'accord. Alors elles vont un peu souffrir hein, de l'été, elles n'aiment pas trop... Je les ai mises un peu tard. D'accord. Mais bon, printemps prochain, ça sera beau, quoi. Donc, il y a un petit peu de substrat, il y a de quoi drainer quand même. Hein. Ça a été fait, ça se fait pas en 5 minutes, c'est assez long à faire. Ouais, j'imagine. Allez, on voit ça, là. Pour que la terre, il fallait que la terre tienne quand même dedans, elle ne soit pas ravalée par les pluies. Ah oui, bien sûr. Donc, elle est bloquée par des pierres qu'on ne voit pas. Et puis, en plus, c'est des plantes qui poussent normalement dans les rocailles en montagne, oui, c'est bien ça. Dans hein. les interstices, sur les pentes, donc normalement, ça devrait... Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ben ça, c'est le bonheur d'un cactophile, hein. C'est les fleurs. C'est splendide. Ça fleurit, c'est magnifique. Et plus ça résiste, on peut le laisser dehors toute l'année. Mais quel bonheur. On ne peut pas demander plus à un cactus. Hein. C'est sûr. Ça, c'est une des pièces maîtresses du jardin. C'est très rare d'avoir des cylindropinsia qui résistent à l'humidité hivernale. Mm-hmm. Celui-là, il a 19 ans. Ça fait 18-19 ans qu'il est là. Donc, il a pris tous les hivers. On pourra montrer une photo sous la neige.
Hein. Ouais, bien sûr. Et la dernière fois, en plus, qu'on l'a vu, c'est vrai qu'il n'était pas couvert. Hein. Il était là, comme ça. Oui, oui, oui. Et donc, il fait des fleurs violettes magnifiques, qui sont grosses comme ça. Alors, c'est plutôt début juillet, en temps normal. Donc d'accord. Là, c'est un petit peu tôt. D'accord. Et ça, on voit des fruits, c'est veut dire qu'il y a eu des fleurs, c'est des fruits de l'année précédente. De l'année précédente. Voilà. Ah d'accord. Ils restent accrochés, puis ils finissent par tomber un an ou deux après. Ah oui, ça prend son temps en plus. Ah oui, ça prend son temps. Voilà, on voit des fleurs fanées, hein. C'est un Echinocereus qui... Il est protégé l'hiver, mais il a 26 ans. 26 ans. Ouais. Donc, puis c'est pas énorme pour l'âge. Enfin, je veux dire, ça non, reste... ça pousse très lentement. Ça. Mm-hmm. Le cactophile doit être... Patient. Patient. Très patient. Très patient. Première vertu, je crois, là. C'est la patience. Mais la patience est toujours récompensée, c'est ça qui est bien. Avec certaines espèces, il faut parfois attendre 10-15 ans avant d'avoir les premières fleurs, donc il faut être patient. Bien sûr. En revanche, avec les cactus rustiques dont je te parlais tout à l'heure, là, il n'y a pas de souci. Au bout de 2-3 ans, ça fleurit, et puis après, tous les ans, quoi. Mais pas en intérieur, il faut que ce soit en extérieur. Ah bah ils sont faits pour être dehors toute l'année. Si on les rentre à l'intérieur, ils fleuriront jamais, ça c'est sûr. Et ils vont mourir même. Ils vont être moches. Ils vont végéter en fait. Ils vont végéter. Ouais, d'accord, je vois. Donc là on est dans la serre où la dernière fois on avait fait l'introduction. C'est bien ça? Ouais. Et c'était beaucoup plus plein. Hein. Bah oui, toutes les plantes sont sorties pour l'été. Il t'a fallu combien de semaines pour tout sortir? Oh, je crois qu'il me faut une quinzaine d'heures. Ah oui, d'accord. Donc t'étales ça quand même. Voilà, j'étale ça. Parce qu'après, il faut pouvoir les sortir à un endroit précis. C'est ça. Tous les crassulas. Alors eux, ils restent là toute l'année. Ils ont le ils se portent l'ensoleillement bien. Idéal pour eux. Et là, c'est-à-dire, tu les arroses comment, ceux-là? Enfin, je veux dire, quelle fréquence? Une fois par semaine, parce qu'il fait un peu chaud ici. Ah oui, donc l'eau s'évapore plus vite. Tiens, je te montre. Le cactus qui fait la plus grosse fleur, mm-hmm. C'est ce qu'on appelle la reine de la nuit. Alors, il n'est pas en fleur aujourd'hui. Hein. Ah. C'est ce qu'on appelle un cierge grimpant. C'est ça, là. Ah ouais, d'accord, j'avais même pas vu qu'il y avait ça. Donc, ça, wow. Ça s'entortille partout dans la nature et ça monte, ça grimpe. D'accord. Ça grimpe. Et puis, ça fait une fleur grosse comme ça, mm-hmm. Blanche. Ça s'appelle la reine de la nuit, c'est pas pour rien. Ça s'ouvre le soir vers 22h et à 5-6h du matin, hop. Et ça s'ouvre fini. Combien de fois? Une seule fois? Une seule fois. Oh, punaise. Voilà, la fleur est gigantesque, elle sent bon et elle est faite pour être pollinisée par des oiseaux ou des insectes de nuit. D'accord. Et tu la vois, toi, des fois? Oui, alors là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fleuri. D'accord. On voit arriver avant un gros truc, mais là, pour l'instant, c'est trop tôt. C'est en général plutôt juillet-août, ici. Et ça pousse comme ça en longueur, quoi. Ah oui, ça s'entortille dans tous les sens. Donc, il y a une autre plante qui a poussé dedans aussi. J'en ai un autre là-haut qui n'a jamais fleuri. Bah, les conditions sont un peu dures pour que ça fleurisse ici. C'est pas... Il faudrait une terre plus riche, je pense. Je l'ai mis en pot. C'est celui-ci, là. Ah ouais, ok. Voilà, donc ça pousse jamais droit. Hein. C'est un désordre le plus total. Donc, je laisse monter là-haut. Évidemment, je ne vais pas aller le voir là-haut. C'est trop haut, on est bien à 4 sûr. Mètres de haut. Incroyable. Et tu vois, ça fait des racines pour aller chercher l'eau ou pour s'accrocher. Ah oui, en effet. Donc, j'ai essayé de le mettre pour qu'il aille sur la poutre au maximum. A few moments later. Donc là, Eric, tu es en train de prendre en photo les fleurs qui viennent de s'ouvrir. Oui, parce que les fleurs ne durent pas longtemps. Ce soir, elles seront déjà un petit peu fermées. Mm-hmm. Demain, elles seront peut-être un peu moins belles. Donc, parce que là, on a fait une pause le temps de manger, et ça fait en gros une heure qu'on tournait la première partie de la vidéo, mm-hmm. Et les fleurs ont eu le temps de s'ouvrir entre-temps. Voilà. Génial. Alors là, aujourd'hui, c'est un petit peu tôt pour voir ceci fleurir, mais à mon avis, c'est pour cette semaine. Ah ouais, l'année, ça va arriver. L'année dernière, m'avait fait 53 fleurs. 53, ouais, on voit qu'il y a plein de fleurs qui vont arriver. Thank you.
Tu vois, Tony, il y a beaucoup de d'opuntia qui ont des fleurs jaunes. Mm-hmm. C'est la majorité. Alors moi, je cherche les autres couleurs. Je cherche un peu plus rares les fleurs roses, mm-hmm. encore plus rares les fleurs oranges ou encore plus rares les fleurs rouges. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Bah alors, Eric, c'est quoi ça? Ah bah, quand tu vois ça dans un jardin, en fait, c'est signe que l'été sera chaud. Oui, j'ai inventé le composteur à sedum. Fantastique. Tu nous en avais parlé la dernière fois, je crois, non? Oui, alors, c'est en cours, hein. Ça sera beau que dans un an. Hein. Mm-hmm. Et j'ai mis dans chaque interstice une bouture. Alors, certaines n'ont pas tenu, pas eu le temps de s'enraciner. Il y a eu beaucoup de vent cette année. Elles sont parties. Alors, c'est pas grave, j'ai laissé les trous. Mais ça va se remplir. Regarde, ils avaient tous la même taille. D'accord. Sur certains, ça a vraiment déjà beaucoup pris de... Ah, c'est pas des plus grands que tu avais mis? Non, non. D'accord, oui. Je pense que dans un an et demi, ça sera tout... Colonisé? Voilà, tout colonisé. D'accord. De l'autre côté, c'est avec des espèces différentes. Avec des fleurs, ici? Voilà. Trop bien. Donc, ce sont des plantes qui poussent habituellement bien sur des pentes. Alors là, j'ai fait une pente abrupte et ça pousse aussi. Super. Ça y est, on a fini le tour, Eric. Ouais. Ah, tu vois, je suis bien ici, là. Ah oui, je vois. Il fait quelle température pour l'instant? Il fait... tu vois pas, là? Si, ça y est, je vois. 34 degrés et il est 13h, quoi. Ouais. Ah, ça va monter cet après-midi. Ouais, mais je vais faire une petite sieste avant qu'il fasse 50 degrés et après, ça ira. On peut me suivre sur Facebook. La page s'appelle Au Cactus Vosgien. Et puis, j'ai mon site www.aucactusvosgien.com. Tout est attaché. Et sur ma boutique Etsy... Au Cactus Vosgien, tout attaché. Merci encore à Eric de nous avoir permis de revisiter ce magnifique jardin, les serres. C'est vraiment des installations qui sont vraiment superbes. Les plantes ont bien évolué, on a eu pas mal de fleurs, donc je suis vraiment très content. Cette visite était vraiment magnifique avec ce temps qui, heureusement, a été sympa avec nous. On organise un petit concours à l'occasion, donc pour gagner une bouture de cactus résistant au froid qui sera expédié directement chez vous. Donc pour ce faire, c'est très simple, il faut être abonné à la chaîne YouTube des Terrariums, il faut s'abonner à la chaîne YouTube de Au Cactus Vosgien que je mettrai dans la description de la vidéo et à la page Facebook d'Au Cactus Vosgien. Ensuite, quand ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à indiquer en commentaire « fait !» point d'exclamation. Et puis, vous pouvez mettre le commentaire que vous voulez en plus. Je sélectionnerai donc tous les commentaires avec le « fait » qui est indiqué. Et je ferai un petit tirage au sort. Et voilà, la personne qui aura gagné sera prévenue directement en commentaire. Hein. Et ce sera l'occasion ensuite de discuter par message privé pour pouvoir vous envoyer la plante gagnée. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'espace commentaire « est fait pour ça ». N'hésitez pas à vous abonner donc rien que pour le concours, hein, tout simplement. Le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, le pouce en l'air également. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !